Je n'ai pas de problème. Par rapport à ce matin. Like a bird. Alors, je prépare des poivrons pour effectuer une crêpe salée américaine. Le pliage sera en triangle. Je vais mettre de la viande hachée, du fromage de raclette, des poivrons et un œuf. Et quand tu dis que je vais faire une crêpe à l'américaine, parce que tu vas pas faire ça avec du sarrasin? Non, avec du froment. Pourquoi? Parce qu'à Bamako, j'aurais plus de chances de trouver du froment que du sarrasin. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est bien. Donc, tu prends quel genre de la vente à emporter, plutôt sur place? De la vente à emporter sur place aussi, pour à peu près 30 personnes. Ouais, une salle. Donc, ça va être un sacré rythme. C'est ça. Okay. Donc, c'est bien. Là, tu as préparé tes poivrons. Mes poivrons, sur la plancha. D'accord. Et après? Et ensuite, je vais faire la viande hachée sur la plancha aussi. Et tu vas assembler le tout? Et je vais assembler le tout sur la bilise. Alors à côté, on a Magali. Magali 1. Magali. Oui. Tu vas faire quoi alors pour ce midi? Eh bien, ce midi, je vais faire des petits samoussas. Samoussas pour jettre chorizo. D'accord. Parce qu'on a déjà plein de choses à manger et ça nous fera, ça va être. Ça permet de nous faire. D'accord. Et donc, courgette, poivron. Chorizo. D'accord, et ça, ça t'as pesto. Mis une petite sauce? Pesto. Sauce pesto. Tu rappelles la sauce pesto, comment on l'a fait? Basilic. Ouais. Lavé, bien sûr. Pignon de pain. Ouais. Une gousse d'ail ou deux, suivant le mot prononcé, vous voulez, de l'ail. De l'huile d'olive. Ouais. On prend un mixeur plongeur. Voilà, de l'huile d'olive. Il faut bien recouvrir tous les ingrédients avec l'huile d'olive. Okay. Et, t'en mets un petit et je mets du sel, du gros sel, une cuillère à café, une bonne cuillère à café. Et du poivre, un petit peu d'épices. Et ça, on le mange comme ça à la main ou c'est servi à l'assiette? C'est comment? Alors là, c'est à la main parce qu'on a beaucoup de choses à manger. Oui. Mais sinon, on peut faire une galette. Faire des brochettes, oui, présentation. Brochettes. Ouais, sympa. On va goûter. Alors moi, c'est des petits samoussas chèvre, miel, noix. D'accord. Et ça, c'est pareil, ça peut être considéré comme un plat de résistance ou à l'entrée comme... Oui, voilà, ou pour l'apéro, c'est peut-être sympa. D'accord. Okay. Là, on va pas prendre l'apéro, mais... Donc, c'est juste de dire que cette Magali-là, c'est l'épouse de M. Philippe qu'on a vu. Voilà. Qu'on va voir. On va aller dans le camion. D'accord. Tous les deux? Tous les deux. Oh là là, ça va être chaud, les crêpières. C'est ça. Ok, super. Bon, on va tous passer à table. Hein. Ouais, on va déguster maintenant. Merci. Alors, je suis en train de préparer une galette saucisse à emporter. Donc je vais accompagner donc avec une sauce moutarde crème fraîche, gruyère, fromage quoi. D'accord. Donc ça se passera dans quel contexte? Donc là c'est donc dans le contexte d'un camion. Okay. Un food truck. Donc là je vais commencer par étaler mon fromage. C'est du sarrasin. C'est du sarrasin, oui, c'est de la galette, sarrasin. Donc ensuite, sur un côté, je vais mettre ma sauce. D'accord. C'est une sauce que tu as préparée? C'est une sauce qui a été préparée, oui. Donc à l'aide de crème fraîche, ouais, accompagnée de farine de sarrasin. D'accord. Et puis de moutarde à l'ancienne. Ok. Donc l'idée, c'est de pouvoir la manger avant... L'emmener et la manger, oui. D'accord, sans s'en mettre plein les doigts. Exactement. D'accord, parfait.
Donc là, ta saucisse, tu l'as un peu précuite tout à l'heure. Elle est tout à fait précuite, voilà. Et donc là, je vais juste la réchauffer de manière à la rouler. Ok, donc tu te sers de stabilique comme une charge. Tout à fait. Je suis gaucher. Et donc là, elle est roulée maintenant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aller assez vite avant que ça se sèche. Tout à fait, oui. Et surtout assez vite pour ne pas trop se brûler. Ouais, on peut prendre deux spatules aussi. Peut-être que ce serait l'idéal. Et tu peux repartir de l'autre côté pour finir. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de. Alors, ah oui, ça c'est malin. Ça, c'est la. C'est la petite. Voilà. D'accord. Et les gens, voilà, ils prennent ça et ils vont manger un peu plus loin. Exactement. Donc, c'est pour quand le projet ? Alors, le projet, il est pour février-mars. Voilà, le camion est coulé, en février-mars, c'est parti. Voilà. D'accord. Et voilà. Ça m'a l'air appétissant, mon cher monsieur. Oui. Moi, je ne paye pas. C'est super, c'est génial. Merci, monsieur Philippe. De rien, Patrick.